Ma Mission TV, le miroir du monde. De la même façon, on a dit état de droit et salema. Bino ba citoyen, de boko sala masse pour droit à l'état et ça la respecter. Ok. Toyokani? Tout à fait. Donc, on peut dire ça, le comité Nabino. Ok. Le représentant Nabino va payer un ministère. Ok. Donc, on s'appelle un bourgmestre. Ok. Donc, on s'appelle un bandeco. Il y a l'assemblée provinciale. Il y a un bâtonnier à matériaux durs. Il faut déclarer que les alibis sont bien abandonnés. Cassi. Gaï, en tant que bourgmestre alimenté, la lobby, jusqu'à preuve du contraire, les sika ont aux alibis. Les alibis, Mabélé, il y a ex-Onatra, etc. Donc, Oyo, Azan a la revendication, son Excellence ministre des Transports à Otiko Lobelango. Eyé, du nouveau à Kinshasa, le complexe hôtelier Tremplin Royal sous Kanamasoro. Vous qui désirez passer des nuits inoubliables, l'hôtel Tremplin Royal vous offre un service de haute qualité, de chambres modernes répondant aux standings internationaux, salons et salle de bain bien équipés. Votre sécurité est assurée, les portes électroniques et même un coffre-fort dans la chambre. Tremplin Royal dispose d'un restaurant VIP, des plats de différents goûts à un prix hors concurrent, de boissons de toutes marques accompagnées d'une musique douce. Ce n'est pas tout. Pour vos déplacements, Tremplin Royal met à votre disposition une voiture pour tous vos déplacements et un groupe électrogène industriel pour faire face à la coupure d'électricité. Pour vos cérémonies de mariage, de collations, spectacles et autres événements, Tremplin Royal met à votre disposition une salle de fête de 300 places avec un décor de couleur selon votre choix. Nous sommes situés au numéro 23 de l'avenue Aérodrome dans la commune de Barumbu. Référence, stade municipal de Barumbu. Pour tout contact, appelez-nous au 081 570 78 00 09 98 55 22 96. Et Salemananouté, le complexe hôtelier Tremplin Royal, le confort est le nôtre.
sous Kanama Solo, chez Tremplin Royal, Kano Kakae. À vous faire, quoique vous et votre délégation, vous allez découvrir la situation des visus et la palpée de votre doigt. Encore une fois, soyez les bienvenus. Merci. J'ai demandé que le conservateur soit aussi là. Il n'est pas encore arrivé. Monsieur le conservateur, non, il ne s'est pas fait signaler chez vous. Vous devez visiter le site de notre. Il faut que nous voyons Non, je crois que c'est ça. Tu nous amènes vers. Nous nous mettons sur les rails. Donc toute cette zone ici devait être prévue. Parce que dans le projet que vous allez présenter, la jonction entre Ilebo, la voie entre Ilebo et Kinshasa, c'est sur cette partie. Il y a cette partie et à Kisantu. Mais tout ce site est envahi par la population. De telle manière que chaque fois que nous devons partir, je dois envoyer d'abord une équipe pour venir nettoyer la voie.
Parce que la plupart de la population ici n'a pas de toilettes. Ils font leurs besoins sur la rivière. Alors, de telle manière que quand ils mettent tout ça, parce qu'ici normalement nous avons des ballasses. Alors tout le système devient un peu dérangé, instable, de telle manière que quand le train vient, nous ne savons plus rouler. Vous verrez que la dernière fois, il y a 2 semaines, j'ai fait arrêter le train urbain qui fait que Kasangoulou Kinshasa à cause de ça. Alors, il fallait d'abord commencer par enlever toute la saleté avant que nous puissions faire travailler les gens. Donc, non seulement il y a ça, ils habitent, mais ils exploitent aussi plus loin là-bas, ils exploitent du sable. Ils exploitent du sable dans les environs de sable aussi. Parce que quand ils creusent, quand il pleut. On peut y arriver, c'est très loin. C'est un peu très loin. Mais on peut quand même faire. Mais là où il y a du sable, le problème du sable, c'est. Mais là, on a fait du travail. Là où il y avait des problèmes de stabilisation de la voie, c'est un peu plus difficile. Donc, c'est ça la situation. Donc, nous, ça, en dehors de ça, il y a les vols. Quand nous venons avec la marchandise, avant de, parce que parfois on peut dire au train d'attendre ici avant qu'on dégage la place là-bas. Mais quand le train est ici, on vole tout ce qui est dessous. Qui est là. Et donc, ceux qui occupent le terrain de l'ENATRA, oui. De la FCPT, oui. À quel titre? Non, pour nous en tout cas ils n'ont pas de titre. Pour nous ils n'ont aucun titre et ils n'ont pas le droit de rester ici. Pour nous, la SCT, il n'y a aucun titre qui leur donne. Parce que jusqu'à preuve du contraire, vous viendrez discuter. Jusqu'à preuve du contraire, nous avons, si vous voulez, nous avons tous les plans de toutes ces places. Il ne faut pas menacer les gens. S'ils ont leur titre, voilà. Donc, c'est ça la situation. Ça nous met mal à l'aise, nous ne savons pas développer nos activités. Et nous faisons face aux dépenses parfois inutiles. Il faut d'abord dégager la voie pour envoyer le train. Il faut, tous les jours avant, donc quand on annonce un train, j'envoie d'abord une équipe qui vient ici à pied pour voir si la voie est dégagée et comment la dégager. Il y a même ceux qui ont des débits de boissons ici. Quand vous venez vers le soir, vous trouvez les gens ici, ils viennent commencer. Or, le train lui-même, nous fonctionnons 24 heures sur 24 heures, 1er janvier à 31 décembre. On a besoin de moi. Ça s'arrête ça. Les habitants. Et vous avez quoi l'arrêt de... Ça c'est l'arrêt du Conseil d'État. Le dossier a été en justice depuis 2005. Au tribunal de grande instance, nous avons gagné par un jugement. Nous avons annulé la décision du gouverneur à l'époque, Kimbuta. Oh, excellence, ça c'est bien. Nous avons gagné un jugement. Au tribunal de... Nous avons fait annuler l'arrêt du gouverneur Kimbuta qui ordonnait les démolitions sur ces sites. Et après avoir fait cela, il y a eu l'arrêté ministériel de l'urbanisme et habitat et des affaires foncières. En 2017. Vous avez tous les documents avec tous les documents sont à la possession. Et il y a vos références là-bas? Toutes les références sont là. Oh!
Il est parmi ceux-là qui vendent des terrains ici, celui-ci. Vraiment extraordinaire. Vous voulez l'état comme ça? Continuez, vous voulez. On est parmi ces gens qui sont là qui parlent ici, c'est méchant. Bonjour, papa. Très élégant, les amis. De la même façon, Olindi état de droit salema. Bino ba citoyen, de boko sala masse pour droit à l'état et à la respecter. Okay.
Toyokani. Tout à fait. Toko Ben dit ça, le comité Nabino. Ok. Le représentant Nabino va créer un ministère. Ok. Toko Zalapen à Bourgmestre. Ok. Toko Zalapen à Bandeko. Il y a l'Assemblée provinciale, Kogomoni, président de l'Assemblée provinciale. Il faut que Zoyango na motuya na ngonya ba autorité nyose ambo katosi to telemi poto ye ba ndenge nini solution nini ko ki ko pesa na likambo to kan merci donc ba délégué na bino na début ya semaine mardi ou bien mercredi to ko benga bango na ministère to ko za na bourgmestre to ko za na ba député provincial to ko za la fin na ba député nationaux biso c'est longtemps donc on a trouvé la solution oyo et qu'on privilégie état de droit. OK d'ailleurs kani merci bonjour na boboto makambo ya makelele et alité merci. Nous avons besoin de votre implication pour que nous puissions réhabiliter l'État dans ces droits. Monsieur le Président, j'apprécie votre disponibilité parce que nous devons travailler en synergie. Justice dans les amis. Par la femme au bas de la reine de la Césarité. Deux fois. Par la femme au bas de la reine de la maternité. Ma belle au bas de Nangaï. Et pas chez Coco. Papa, ce qui. Justice est la moquille à Wate, Zamba Golobela Bisso. Ce qui justice est la justice à moi, ça y est, ça la tête. Justice à l'homme est comme ça là. Papa, mon idée, la nature. Thank you.
DVT. Son Excellence, ministre des Transports, a dit que le Bélango, Bakenda, Balakisa, Mikanda, ils ont fait ma titre à cadastre. Ils ont fait lettre à Komelayo, ils ont fait son Mukanda, Nengani, Kassila, Kisa Benza, certificat d'enregistrement, taux contrat de location. Merci, monsieur. Les instructions nous données par le chef de l'État et que nous devons tout faire pour relancer cette société si stratégique pour le peuple congolais. Et ici, nous venons de constater la spoliation de son patrimoine. Nous constatons également qu'il y a de compatriotes qui ont ce terrain. Mais notre démarche sera de vérifier qui a ce titre et qui n'en a pas, que la loi soit totalement respectée. Donc nous proposons après cette visite d'inviter toutes les parties prenantes. Il y aura aussi la participation du bourgmestre ainsi que du conservateur et les députés provinciaux et nationaux. Kinshasa ne s'en est pas mis en l'est et nous allons voir clarifier le plus rapidement possible. Nous avons l'ambition de relancer le train urbain dans la ville-province de Kinshasa sur l'instruction de son Excellence Monsieur le Premier ministre et nous ne pouvons pas le faire aisément lorsqu'il y a la voie ferrée qui est si occupée. Dangereusement, sauvagement, où on creuse même des puits, des fosses septiques aux alentours des rails, et ce n'est pas acceptable. Donc nous allons calmement adresser cette question et trouver des solutions qui s'imposent. Monsieur Azimalinga, ok,
Toyaki, Potota, la situation est à l'Iconeta, le patrimoine est à OCPT. Terre est à OCPT depuis longtemps et à l'Ispolier. C'est Gelitoyeba. Nani a zali pour occuper terre à OCPT sans titre. Nani peut zali pour occuper un mot avec titre. Est-ce que ces titres-là sont valables? Ils allaient valables et ils allaient valables de terre. La montagne est chef de l'État et c'est Geli, Toton de la société Nabiso SCTP. Pour transport et coca, pour salema, pour zongela, l'intérêt et au peuple congolais. Yango Tokiaki, Totali Awa, moyen pour relancer train urbain et Kozarate. Pour bande comme Soussou, Bali pour construire Naba. Fosse sceptique, ma toilette, tout le babongo, et si quand ça la zongaïnène, la voie ferrée, et Ali acceptable terre. Parce qu'il faut inviter ma tonion sur Ali concerné, la problème voilà, pour total, nan yazali na droit naé, nan yazali na droit naé, pour toyeba, solution définitive, autoki kozoa dans le Cameroun. Ma représentant, ma occupant, ma tozala, ma député provincial, ma tozala, ma député national, local, la ndeko. Eliezer Mwana à Kolo Lopang, à Kozangate, président et assemblée provinciale que le Kola. À Pessibiso, collaboration naïe, bourgmestre et à ville, et à commune et à Limédé, à Kozalapé le Kola, de connaissance de bonne foi, de bonne volonté, au Bakanissi, que Bazalina apport positif. Il y a comme même une solution durable à l'Ikamboyo, pour impliquer Bandou. Le ministère de la Justice paie le Kola et que ça l'a intéressé dans le Conseil d'État. Merci, Excellence. Merci. Scandaleux. À Kinshasa, le complexe hôtelier Tremplin Royal sous Kanamasoro. Vous qui désirez passer des nuits inoubliables, l'hôtel Tremplin Royal vous offre un service de haute qualité, de chambres modernes répondant aux standings internationaux, salons et salles de bain bien équipées. Votre sécurité est assurée, les portes électroniques et même un coffre-fort dans la chambre. Tremplin Royal dispose d'un restaurant VIP, des plats de différents goûts à un prix hors concurrent, de boissons de toutes marques accompagnées d'une musique douce. Ce n'est pas tout. Pour vos déplacements, Tremplin Royal met à votre disposition une voiture pour tous vos déplacements et un groupe électrogène industriel pour faire face à la coupure d'électricité. Pour vos cérémonies de mariage, de collations, spectacles et autres événements, Tremplin Royal met à votre disposition une salle de fête de 300 places avec un décor de couleur selon votre choix. Nous sommes situés au numéro 23 de l'avenue Aérodrome dans la commune de Barumbu. Référence, stade municipal de Barumbu. Pour tout contact, appelez-nous au 081 570 78 00 09 98 55 22 96 et Salemananouté, le complexe hôtelier Tremplin Royal, le confort
et les nôtres sous Kanama Solo, chez Tremplin Royal, Kano Kakae. Ma Mission TV, le miroir du monde.